Atelier Géodesign, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un covering réalisé sur une Mégane 4. Donc, carrosserie marron métallisé au départ. Donc, covering rouge complet. Ça, c'est la première étape, puisqu'ensuite, je vais faire une déco dessus. Donc, un covering rouge quasiment partout, sauf à cet endroit-ci, où j'ai positionné du noir mat. Déjà, ça contraste un peu avec le petit aileron en noir laqué. Et ensuite, ça le lie aux aérations centrales, ce qui donne de face une grande ouverture. Et esthétiquement, je trouve que ça donne un côté un peu plus agressif. Ensuite, j'ai recouvert les coques de rétro en noir laqué. Le pavillon également en noir laqué. Donc, c'est une édition One. Ce qui fait qu'il y a des petites améliorations, notamment au niveau des poignées, qui sont déjà assez compliquées comme ça à faire. On a dessous une petite loupiote. Au niveau du covering du pavillon, il y a deux écoles, enfin il y a même plusieurs écoles. Il y en a qui souhaitent recouvrir cette partie-ci. Moi, je le déconseille. Après, l'argument se tient puisqu'on peut dire cette forme-là continue et du coup, on recouvre en noir. Sauf que de côté, on va perdre la dynamique de l'aileron justement. Donc voilà, ça c'est un parti pris. D'ailleurs, je suis même allé plus loin puisque d'habitude, le noir, je le fais passer ici. Et je garde ce filet rouge pour bien délimiter l'aileron. Et là, j'ai eu envie de changer et je trouve que ça apporte un peu plus de style. Encore une fois, c'est un parti pris. À part ça, rien de spécial, hormis le travail en lui-même. Une belle brillance du film. Donc là, c'est de la verrerie. Voilà le travail en attendant la seconde étape et la décoration. N'oubliez pas de vous abonner, ça coûte pas cher et ça fait plaisir. À bientôt, ciao!